Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ghost of New Eden. Où, eh bien, on cherchait à rentrer sur ces terres hantées pour trouver de l'équipement, c'est ce qu'on nous vend. Donc, on y va. Ah, encore un truc noyé. Ça va encore être hanté à jouer. On y va. C'est une vraie purée de poids. De mon côté, je vois très bien. Ok, donc le truc il vient de là-bas. Après on sait que tant qu'on est dans la purée de poids, on n'a pas d'ennemis. Donc c'est très bien. Ok. Il est là. Et là on a... Saloperie de brume. Alors on peut pas passer là, non. Je vois pas trop à quoi ça sert d'avoir détruit ça, personnellement. Hop. Je sais. Ok. Je vois pas pourquoi on me fait détruire des trucs pour voir le machin. Allez, je peux pas y aller encore parce que c'est toujours... C'est là en fait on m'a fait détruire les bordels pour le voir ce truc. Mais pourquoi on m'a fait détruire les machins? C'est ça que je comprends pas bien. Et j'ai appuyé, merci. Aïe aïe. Tiens, prends-toi ça. Ok, ça c'est mort. Ça. Oups. Allez, ça dégage. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, mon fusil est chargé, oui. J'ai vu que je pouvais remonter sur le bateau. Hein. En haut, là. Vous allez me dire, on peut pas trop monter en bas. Ok. De toute façon, à mon avis, l'équipement est en haut. Il va y avoir d'autres combats. Hein. Ne soyons pas dupes. Et on va pouvoir sortir par là-bas. On avait vu le sceau spirituel. Il y a deux chemins allons par là. Le bon chemin. Là, on peut aller là. C'est une mission pour une tireuse d'élite. Eh, hey, c'est moi, tireur d'élite. Bah oui, regarde. Bah, oh, le jeu là, j'étais dedans, hein. Les murs invisibles. On aime les murs invisibles, évidemment. Il y en avait que deux. Il y a l'air. On peut monter là, oui. Je peux aussi aller là, je l'ai ouvert. À quoi cela sert-il? Ah ah! Il y a un truc par là. Allons-y.
pour encore monter. Ah, combat. Bonjour. Ah merde, il y a un magicien. Il est où? Il est là. Il bouge pas. Quoi? On va te tuer. Voilà, tu donneras pas de bouclier à tes amis. Ça me plaira. Je préfère qu'il n'ait pas de bouclier. Wow. Olé. Olé. Ok. Empêche ce spectre d'atteindre le cadavre. Ok. Tu m'énerves. C'est bon? Merci. Niveau 13, plus un point de compétence, merci. Un plein. Et donc pourquoi je suis monté ici? Et là il y a un coffre. Pourquoi je suis monté là? Ah oui, pour ça, non, bah non, même pas. Pourquoi on m'a fait monter là? Pour un bonus de taper 3 squelettes? Ok. Donc si t'arrivais pas à casser les verrous peut-être? Très bizarre, parce que moi j'ai pu les casser de là facilement, donc je sais pas. Pas un peu bizarre. Il y avait un passage et je l'ai pas vu? Comme un con? Certainement. J'ai bien vu la lampe, et la lampe souvent c'est les passages, mais j'ai pas vu le passage. Pas spécialement de passage. Non. Ah, d'accord. Je ne l'avais pas vu. Ok. Nice. J'ai jamais pas vu le truc à casser. Il était pas flagrant, mais c'est pas mal. Un petit peu de cachette de temps en temps, mais ça me dérange pas. Voilà, donc là on a le coffre. Et après on peut s'enfuir. Alors, c'est quoi comme slip? Je l'ai. J'adore la chasse au trésor. Niveau 5 voyageurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne beaucoup de dextérité, beaucoup de vitalité. Ça baisse l'esprit, d'accord. Augmente de 200% les dégâts du fusil sur les points faibles contre les ennemis affectés par une la manifestation piège. Oh, il va commencer à avoir des petites interactions là. Donc tu pièges les ennemis et après tu... Quoi? Ah, il y a un chasse-esprit. Et où? Hein? Bah, pourquoi on m'interdisait de... Hein? J'ai pas compris. Pas très grave. L'endroit est forcément proche. Voilà. Ouais, ça c'est pour revenir là-bas. C'était amusant. Je pourrais me reconvertir dans la chasse au trésor. Très souterrain comme activité. Bannisseur, c'est très bien.
Ok. Hop. Alors. On est sur quoi comme map? Donc tout ça c'est fait. Bon, on peut aller par là et faire ça. Hein. Ça on l'a pas fait. Il nous reste des trucs à faire. Bon, j'ai bien aimé hein, l'équipement, ça me va moi. Bon, c'était pas très dur non plus. Ce qu'on pourrait dire sur le jeu, c'est qu'il est pas excessivement dur. Ah, si vous voulez un jeu avec du défi, pas forcément. Après, je suis en normal. Il y avait un choix de difficulté dans le jeu, je crois. De mémoire. Est-ce qu'on peut changer de difficulté pendant le... Pas l'air. Il n'y a pas l'air, si on peut pas changer de difficulté pendant le jeu, s'il y avait une difficulté au début du jeu, je ne me souviens plus. En tout cas, dans la difficulté que j'ai choisie, s'il y en a une, le jeu n'est pas dur. Mais c'est bien aussi de ne pas rester pendant 50 heures sur un combat. On est mort quoi, deux fois, trois fois dans le jeu? C'est pas excessif. Et moi ce que j'aime bien par contre dans le jeu c'est qu'il y a beaucoup de feedback sonore et visuel comme quand on peut voilà ça fait twing et c'est vert et là on a un choup qui nous dit qu'il y a un truc caché, voilà c'est plutôt pas mal. Détruis ces chasses fantômes si tu veux que je revienne. Alors, les chasses fantômes. Encore faut-il avoir des yeux. Je peux peut-être... Ah, il est là, donc je peux pas l'avoir d'ici. Voilà, un peu plus loin. Hop. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Ah, il est de l'autre côté, d'accord. Ça, ce sera pour revenir. Là, on peut longer ici. Oh! Bonjour. Ah bah, il est là. Et comment? Ah non, ça c'est... Ok, ça c'est pour aller là-bas, mais ça... Je sais pas. Allez. Allons-y. On peut pas aller, donc c'est forcément par là. Encore un truc de vie. Absorbons ce pouvoir. Plus 10 points d'esprit, ça me va. Toujours aussi impressionnant. On va mettre la corde. On sait qu'il y en a un deuxième dans la grotte de trucs à débloquer. Mais allons un peu par là. Ah bah, il y a juste un truc à récupérer, un peu d'argent. Alors, le deuxième truc était certainement par là. Bonjour! Dégage de là, c'est fait!
plutôt. Ouais, donc c'est un... Il va falloir les forcer à se manifester. Encore un... Un nid. On n'a pas forcément envie de les faire tous parce que... Toujours juste des combats, quoi. Ok, c'est des combats d'élite, mais... Donc c'est toujours la même chose et il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas... En vrai ça me donne pas envie de les faire quoi. Parce qu'on en a fait quelques-uns, c'est toujours la même chose. Et la difficulté est pas non plus... voilà quoi. Enfin... Mais bon, si j'ai envie de faire de la complétion, je pourrais toujours revenir. De toute façon, ils sont marqués sur la map. Donc je peux toujours revenir si j'en ai envie. Sachant que nous, on voulait aller là. Pour après aller là. Parce qu'on n'a pas fait ça. Voilà, là, il y a aussi un nid à faire. Voilà, du limon. Ah oui, c'est quand même du limon. Ouais, il y a des limons du nid. Ouais. Les trucs qu'on a besoin pour faire évoluer nos armes. Si vraiment je suis embêté, j'irai faire ça, mais... C'est-à-dire que pour le moment, ça m'attire pas forcément, quoi. Allez, cours. Comme je disais, hein, c'est du remplissage, et moi j'aime pas ça. Même pas le remplissage. Il doit y avoir des petits moments où ça charge les textures derrière. Ça fait du préchargement. Oui, bonjour. Ils sont chiants, eux. Hein. À toujours se barrer. Je suis toujours là. Et oh, oh, oh. Mais il va se calmer, Bobby. Non mais oh. Je m'étais pas reposé, je vois pas pourquoi ils sont revenus. Ouais, on est bien par là. Peut-être que le jeu a voulu mettre des ennemis pour pas que je me fasse trop chier. Le moulin. Donc c'est bien par là, on est d'accord. Hein. Ouais. Faut monter là. Pas été là. Il y a quoi ici? Il y a une corde. Utilisons-la. Voilà. On peut en mettre une autre là-bas. Mais non, je l'ai déjà utilisé ça. Pas du tout, je suis. Ah oui, si, oui. Pas me manifester. Au-dessus de là où j'étais avant. Voilà. C'est bien moi. Combat. Bonjour. Ah, il y a un autre chasse fantôme quelque part ici. Attends, excuse-moi. Il est où? Ah, et ben il est là. Voilà. Alors. C'est bien ta vie, mec. Fais appel à moi. Attention. On l'a énervé. Tu ne devrais pas rester là. La fête continue. Merde. Oh, wow. Wouhou. Sors de là.
quelque chose ici. Ok. Alors... Revelio. Ok. Alors... Très bien. Un joli point de vue, Baïzo. On entend notre ami le feu juste au-dessus de nous. Est juste là, oui, dans cette petite maisonnée. Allons-y. Si tu dois te reposer, cet endroit fera l'affaire. Voilà, on va activer le feu. Très bien. Ça vient de l'invisible. Ok. Un cadavre. Moi j'aime bien c'est qu'on croise des cadavres partout, mais on s'en bat les steaks. Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Oula. Alors, où est-ce qu'ils sont? Là, il y en a un. Me revoilà à tes côtés. Les doigts dans le nez. Et les bonnes manières, alors? Oh, qu'est-ce que c'est poussiéreux! J'espère que les planches vont tenir. Je ne voudrais pas qu'elles atterrissent sur ta jolie tête. Que ça pourrait faire mal à la tête. On dirait qu'on peut pas aller par là. Il devrait y avoir un chemin en haut. Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. Hop là. Merci pour le coffre. Pas mal d'argent encore. Oh, sinon on saute hein. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ici? Du lin, coffre, et le... Ok. Alors... Forcément quelque chose que je n'ai pas vu. Ah bah on pouvait monter là. Oui donc il y a vraiment quelque chose que j'ai pas vu. C'est-à-dire la grosse porte. Quand tu montes, eh bien moi j'ai été voir là-bas. Mais j'ai pas les richesses.
les richesses. Chacun ses priorités, hein. Fermé ? Ah non. Ok. Ok, on pourra sauter au-dessus. C'est notifié. En avant. Ah. C'est verrouillé de l'intérieur. Rien voir par ce trou, on est d'accord. Ok. Là, je peux redescendre, oui. Oh. On irait chercher ça. D'ici, peut-être. Pas l'impression. Vise voir au-dessus. Là, je peux pas y aller, là je peux pas monter parce que ce sera de là. Donc on doit pouvoir soit monter, soit voir la barre qui gêne d'un endroit. Cherchons. Utilisons notre serval. Ah bah non, parce que c'est vraiment au-dessus, c'est ce plancher-là. Tous vus, ils sont là. Mais il est con. Oui. Ça, oui, ça, ça, vous aurez raison, ça. Oh tiens, j'ai jamais remarqué que les feuilles devenaient oranges. Il n'y a rien de particulier. Forcément entrer ici. Mais comment ? Ça c'est cassé aussi. Ça en a été. Ça c'est verrouillé. C'est une énigme à ma portée. Ne vous inquiétez pas. Je vais allumer mon cerveau. Et j'y arriverai.
Moulin des Enfers. Même d'ici, hein, on peut pas l'avoir. Ça, on peut pas... On peut passer à travers. On peut pas se servir de ça. J'ai l'impression d'être débile. Parce qu'il n'y a jamais eu un truc aussi, entre guillemets, difficile à réaliser. C'est pour ça que ça me chafouine. Je suis chafouin. J'ai l'impression de louper un truc évident. On peut toujours tirer sur les barres à l'intérieur. Je vais tenter, hein. Regardez, hein, quelquefois que le point devient rouge. Non, ici, il n'y a rien l'air d'avoir à casser non plus. C'est marrant, on dirait que ce trou est fait pour que tu montes, mais il n'y a rien. Elle peut casser des murs, mais elle peut pas casser des barres en bois. Hein. Bon. Pas rester là 5 heures. Hein. Paraît un peu bizarre, moi. On a fait tomber quelque chose. Ici. Pareil, d'ici on voit rien qui peut être pété. Hein. Pas l'air. Là c'est là où on monte. Oui. Oh, merci. C'est marrant, ça semble évident. Et ça ne l'est pas du tout. Ça n'est pas pour moi. Vraiment rien qu'on peut péter d'ici. Hein. Ça, on a été. On a été là. Hein. J'ai fait tout le rez-de-chaussée. Oui, ça, on l'a fait, ça. Un truc spécial, non. Pas spécialement quelque chose. C'est quoi, moi j'ai envie d'aller en bas là. Ou alors c'est pour après, on va pouvoir remonter d'ici.
Et passer à tous les étages et donc casser le truc, peut-être. Allons par là. C'est un mystère. Le mystère du moulin. Le mystère du commissaire. Alors... C'est enfermé ça. Quel talent. Oui. Oui, bonjour. Je vois rien. Concentre-toi, arrête. Coffre-u. Le coffre-u. Ok. Détruis ces chasses fantômes, si tu veux que je revienne. Ces racines sont trop coriaces pour être retirées. J'avais pas l'intention d'essayer, de toute façon. Ah. Truc de pognon. Des sorcières. Peut descendre tout court. Ça a l'air d'aller là-bas. Non, ça m'a pas du tout ouvert la map. De me balader ici. J'ai l'impression que le jeu est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi, va faire ta mission. Ah oui, mais il y a des choses à casser, des trucs à explorer, de l'argent à se faire. Moi je fais. T'as qu'à pas me laisser y aller? Oui, bonjour. Dégage. Bouger cette charrette. Ah, est-ce que je peux la bouger d'ici ou pas? Non, il faut arriver par derrière. Certainement m'aider à atteindre un étage me donnera la clé de ce coffre. Évidemment. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. La Bible.
Donc ça c'est le coffre. Je peux monter là. Le jeu me laisse le faire. Pas bien, pourquoi je peux monter là? Bon, si on trouve le... une clé, on saura que ce sera pour ici. Ah bon, on peut pas aller plus loin, d'accord. Fin de l'exploration. Bon, on va descendre là. De fait. Hop là. Ah bah oui, je suis con. Il n'y a pas la map. Allez. De où est-ce qu'on va? On va aller par là. Des chasses fantômes. Oh. À toi de jouer. Bonjour. Bonjour. Alors. Ça va devenir sérieux. Aïe. Attention. Allez. Ah, il est là. Hop là. Bon. Alors, il y a lui qu'on va abattre, évidemment. Ah, petit con. Et merde. Voilà. Et merde. Voilà. Remue-toi, bordel. Ah, c'est un peu chiant le truc du fusil hein, quand tu loupes ton coup de fusil. C'est un peu chiant le truc de bannissement du fusil parce que si tu loupes ton coup de fusil, tu perds ton bannissement. Donc ouais. Après j'utilise ça contre les mecs qui peuvent esquiver, mais et je le sais, c'est ça le pire. Et c'est vrai que même si tu loupes ta balle parce que tu vises mal, eh bien tu perds ton bannissement. Donc c'est un petit peu chiant quand même. De refaire ça. Ok. Le mec est mort à côté de son coffre. Mon coffre! C'était mon coffre! Ok. Par là ça nous mène où alors? Le vieux machin, les Darkwood, les pastures. Pastures, c'est quoi? C'est pâturage? Oh, attendez. Oh, je suis hors portée. J'étais à 1 mètre de la portée.
Ah. Mais si. Je peux y aller. J'ai mis cette, cette corde. Attendez, mais quand est-ce que j'ai mis cette corde? Ok, il y a des chiens. Je suis où? C'est absolument pas là où je dois aller. Hein. Tiens, bouffe-toi ça, saloperie. Et paf! Allez, on a quoi? On a plein de gens. On a plein de gens. Allez! Qu'est-ce que tu fais? Ok. Voilà. Nettoyer. Fusil chargé. Pourquoi il est rouge? Ceci est un bug. Je crois que j'ai été trop vite pour le jeu à des moments, il était là en mode quoi? Qu'est-ce qu'on me demande là? Peut-être ça. Hein. Peut-être ça que le viseur reste rouge comme si je ciblais quelque chose qui était vulnérable. Ça va être fermé. Ah non. Il y a un abri si tu as besoin de te réchauffer un peu. Et ben voilà, nice! Alors est-ce que ça va me débloquer la map? Je pense pas. Hein. Allez, j'ai des compétences à faire. On est d'accord que ça ne peut pas débloquer la map. Ah si, ça m'a débloqué la map. Nice. Mais pas ici. D'accord, donc là on va arriver... Il faudrait que j'arrive jusque là-bas pour débloquer l'accès à mon avis. Avec une corde ou un truc comme ça. Entrée. Entrée de quoi? Je ne sais pas. Ouais, ça doit pas être loin du bivouac de Kate, donc il doit y avoir... Je sais plus s'il n'y avait pas une corde à débloquer. Non mais la map va pas jusque là, c'est pas possible. La map est pas si grande en fait. Il te donne une illusion de grande map, j'ai l'impression. Après, ça peut-être dire qu'il y aura des DLC. Ok. Ok. Là, tu peux descendre, ok. Et je peux également remonter, donc ça me va. Ah. Je vais aller jusque là-bas en sprint pour activer le truc avec le bivouac de Kate. Ah, on va peut-être pas tant sprinter que ça. Ah, je sais pas pourquoi j'ai tellement bugué. Olé. Ce spectre a repéré un cadavre et veut s'en emparer. Il s'emparera de rien du tout, ce con. Voilà. C'est bon. C'est quoi là-bas?
un truc violet qui brille. Encore un truc des sorcières là. Un esprit malveillant plane ici, comme celui qu'on a trouvé plus tôt. Il faut qu'on trouve le rituel dont nous a parlé chercheuse. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane. Ok. Ah oui, d'accord. Peut-être que les petites statuettes, elles vont pouvoir nous ouvrir ça. En tabassant les morts dédiés. Parce qu'on avait trouvé le meunier. Et on était dans un... dans un moulin. Que souvent, dans un moulin, il y a des meuniers. Voilà, sachez-le. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. C'est déjà pas mal si on arrive à récupérer toutes les interactions de map. Les passages, qu'on puisse se déplacer plus librement. Encore un lieu, un nid ou je sais pas quoi. Encore un nid, ouais. Il y a un spectre enragé dans les parages. Invoque-le avant qu'il nous attaque. Oui. T'inquiète pas, ouais. Si je l'invoque pas, il nous attaquera pas. C'est le jeu vidéo. Ok, encore un élite. Oui, bonjour. Alors, vous êtes combien? Allez, un de moins déjà. Olé! Donne-moi! Un de moins! Tu peux participer aussi? C'est par là? C'est par là quoi. Par là il doit y avoir un... un coffre. Attention, des chasses fantômes. Il est où? Oui. Des loups. Tiens, des loups tout court. Attends, petit loup. Pleine tête. J'ai pas vu le chasse-esprit. Eh oui, ça suffit, sale bête! Excellent! Excellent! Pile au moment où il me saute dessus pour me bouffer. Eh, donc il est bien là-dedans. On revient en arrière. Attention! Des chasses fantômes. Je suis aveugle ou quoi? Voilà qui est mieux. J'étais vraiment aveugle. En avant. C'était juste pour affronter trois loups, c'est ça? Ce passage?
Oui. Et un coffre. Quand même. Alors... Cet endroit ressemble au dessin sur la carte. Sur quelle carte ? Sois plus précis. Hop ! Juste, allez, débloquer le raccourlon. Là. Hop là ! Eh oui, donc il y avait bien une corde que j'aurais pu placer. J'ai dû la voir, hein, il y a quelques épisodes. Et donc là, on peut aller au Darkwood très facilement. Ah oui, c'était pas l'élite de Brun qui avait 12 milliards de PV ici, un chien. Je crois que c'était ça. Ça doit être ça. Donc maintenant, on peut aller au bivouac de quête. Cet endroit ressemble bigrement aux instructions de la carte. Et quelle carte ? De chercheuse ? On sait rien. Quelle carte tu parles, Jackie ? T'en as plein des papiers, des cartes. On peut pas aller là. Ah 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 ! Mais c'est pas grave. On peut accéder au coffre. C'est tout ce qui est important. Allez. Oui. Les chasses fantômes. Il va me falloir un coup de main. Le trésor doit être dans les parages. Un trésor ? J'aime les trésors. Je peux me manifester. Ah oui, on avait acheté une carte au trésor, je crois. Moi, je ne sais plus. Ah oui, ça c'est pour monter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Jamais t'énerver. Heureusement qu'elle peut casser que les planches jaunes. Hein, parce que les autres planches, elle peut pas. Heureusement. Sinon, on serait dans la merde. Allez. Trésor doit être caché par ici. Première chose à faire déjà, c'est... Ah, je peux pas les... Le jeu, tu triches. Mais... Il va nous falloir une clé. C'est fermé. Je sais pas pourquoi je pouvais pas tirer dessus. Ok, donc là on a le trésor, mais qui est fermé à clé. Oh! Ça fait deux trésors que j'ai qui sont tous les deux fermés à clé et que je n'ai pas vu de clé. Va peut-être falloir que j'explore. À un moment donné. Peut-être même faire les élites, hein. On ne sait jamais. Ah, une accrétion de fléau, ça c'est bien parce qu'il nous en faut pour... Ah, peut-être par là. Pour être là-bas. Pour après revenir ici, certainement. Ça, je ne sais pas. Là, c'est pareil, il y a peut-être un truc à faire ici pour avoir ça. Faudrait peut-être que j'aille là-bas. Faudrait que je retourne là. Tac tac tac. Ouais, je pense que je vais faire ça.
Après, d'ici, ça a pas l'air très loin. Enfin, pas l'air. Bien. Mais ça, ce sera pour deux prochains épisodes. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.